d'appréhender le travail de comédien. Mais moi, je pense que le seul conseil que je vais pouvoir vous dire, après on va s'éclater à travailler les scènes, c'est ça, c'est essayer vraiment de trouver en vous, profondément dans vos corps aussi, ce qui vous lie au personnage que vous allez jouer. Arrivez avec vos scènes que vous connaissez plus que par cœur sur le bout des doigts. Pourquoi? Pas parce que moi je m'en fous qu'on garde mon texte précisément, c'est pour pouvoir vous l'approprier. C'est-à-dire qu'en fait, si vous arrivez sur le plateau, il y a déjà le stress du temps, parce qu'on sait qu'on court tout le temps après, derrière le temps, de la caméra, du jeu, enfin, on arrive, on est forcément stressé, il y a tout ça. Si en plus le texte est pas, on ne le connaît pas sur le bout des doigts, ça nous angoisse encore plus, c'est une source de stress en plus, ce qui vous éloigne en fait automatiquement de vos enjeux. Le texte, c'est intéressant de jouer ce qu'il y a derrière le texte. Et c'est toujours ça qu'il faut essayer de trouver, c'est jouer ce qu'il y a derrière les mots. Qu'est-ce que ces mots veulent dire? C'est ça qui est génial quand on est comédien, c'est de jouer justement tout ce qu'on ne peut pas dire. Quand on a des comédiens tout d'un coup qui nous font une scène et qui nous font vibrer et tout ça, mais qu'est-ce qu'on les aime? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on s'identifie aussi? Ou qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir s'identifier à ça? Et donc, tout ça, c'est la vulnérabilité. Allez-y, n'ayez pas peur.